Vas-y, Wayne. Wayne. Bah, faut refaire le décompte, non? Attendez, mais Théo, il est pas du tout. Wayne l'équipe. Eh, dis-le, non. Dis-le, je le dis. 1, 2, 3. Ouais l'équipe. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Grosse vidéo spéciale avec des invités. Voilà. Présentez-vous. Présente-toi. Théo. Théo, le petit frère à Maïva. Enzo, le petit frère à Maïva. C'est des frères jumeaux. L'arbitre. L'arbitre du jeu. L'arbitre, parce qu'on va faire un jeu aujourd'hui. C'est très simple. Du coup, il y aura deux équipes qu'on va faire juste après. Il va y avoir des questions de culture générale, donc de toutes les sortes. Il y a 20 questions. Celui qui a le plus de points à la fin, il remporte. Bien entendu, il y a un gage qu'on va dire juste après aussi. On a deux buzzers. Voilà. Chaque équipe va devoir appuyer. Le premier, il répond. Si jamais il se trompe, c'est à l'autre équipe. Pendant la partie, chaque équipe a deux bonus. Le bonus, si jamais il l'active, il y a trois réponses possibles et il doit choisir une des trois réponses. En gros, c'est sous forme de QCM. Ouais, en gros, c'est ça. Et du coup, les équipes, on va les faire. Moi et Maëva, on va pas se mettre ensemble aujourd'hui. Non. On a décidé de se battre. Les deux là, ils peuvent pas s'entendre pour être dans la même équipe, donc. Voilà. Vous êtes insupportables. Mais sinon, on peut choisir. Qui veut être avec moi? Allez, on fait un Shifumi du coup. Non, donc celui qui perd, il va avec celui qui perd. Mais oui, c'est ça. Ah, ouais, ok, vas-y. Mais ouais! Il pèse les couilles! C'est pas des jumeaux pour rien. Donc vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. T'es mon gars. T'es content d'être avec moi? Ouais. Yes, allez. Ouais. L'équipe, aujourd'hui je vais prouver à toute la terre entière que je suis intelligent. Bon, du coup on va commencer hein. Alors, attendez. Mais ils sont un peu loin du buzzer. Ouais. Le bruit de mon équipe, de mon buzzer, c'est ça. Et nous c'est ça. Ok. Attends, on donne un nom à nos équipes? Ouais. Ah ouais. A few moments later. Ah bah non, je sais. Curly vs. Quelle équipe? On a trouvé l'équipe. Donc nous, pour nous, ça sera l'équipe des Waves. Il n'y en a pas trop, mais c'est comme on veut. Ça arrive. Et eux, ça sera les Curly. Voilà. Parce que... Ils ont tous les deux des Curly. Bon, bref. Vous êtes prêts? Je suis prête. Bonne chance. Ça commence comme ça. Toi là, je vais commence à saouler. Le gage, bien entendu, vous dites tous en levant la main, je m'engage à accepter de perdre et d'avoir ce gage. Je m'engage à bien vouloir accepter le gage si je perds. Merci. Du coup, le gage, l'équipe gagnante aura le droit sur le Insta de chaque personne de l'équipe perdante de mettre une publication. C'est important, putain, hein. Avant de commencer l'équipe, allez tous les suivre sur Insta. Ouais. On va mettre leur Insta, tchac tchac tchac. Tout de suite. Voilà. Allez tous les suivre. Ça fait plaisir. C'est parti. Bon, du coup, première question. Je stresse ça, mais. Il y a de toutes les questions. Il y a des questions, c'est de la merde. Il ouais, y a des questions, c'est plus sérieux. Il y en a, voilà. Ok, vas-y, ta gueule. Ok, première question. Qu'est-ce que le Grammy Award? J'ai entendu lui en premier. C'est quoi le Grammy Award? C'est une 3. Récompense pour les chanteurs. Oui, c'est ça, ok. C'est juste ça. Faut pas que ce soit forcément précis, ok? Vous êtes obligé d'avoir la main au-dessus de vos genoux. Vous êtes prêts? Quelle est la voiture dans Retour vers le futur? Une DeLorean. Ouais, oui! T'es mon gars! Dis-moi, les gars. Pourquoi tu t'enflammes déjà? Ah! De combien de syllabes est composé un alexandrin? 12. Yes. Yes! J'ai pas compris. Arrête, je laisse de crier, s'il te plaît. Citez-moi les 5 sens du corps humain. Okay, c'est nous d'abord. C'est nous. J'ai regardé. Elle a appuyé en premier. Elle a appuyé, mais c'est vous avez deux. Oui, mais c'est l'application qui bug. Allez-y. La vue. L'odorat. L'ouïe. Le toucher. Pas le plus voir. Et le goût. Parfait. Ça fait 2-2. Cinquième question. Déjà? En quelle année fut posé le premier pas sur la Lune? 1978. Non. 80. Pas du tout. 1972. Non, c'est à eux. 1974. Non. 1937. C'est dans les années 1960. Ah, mais 1964. 63. Oh, alerte au Google.
alerte au gogol, les enfants. Il y en a 69. Il y en a... Oui, 69. Yes. Putain. 3-2, sixième question. Comment s'appelle la panthère dans le livre de la jungle? Pumba. Mais n'importe quoi. Vous connaissez ou pas? La panthère? Ouais. Noir? Oui. Dis un nom, t'as 3 secondes. 3. Vas-y, Enzo. 2. Tigrou. 1. Vas-y. J'ai jamais regardé ça, moi. Si, moi, j'en parle. Je regarde pas des trucs comme ça, moi. J'ai dit Bagheera. Ouais, c'est Bagheera. Oh là 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 là. Qui a gagné la Coupe du Monde de football en 2006? Mais on entend plus le leurre à chaque fois, j'ai l'impression. C'est moi. C'est moi. Je crois. Mais non, je refais. Est-ce que vous la connaissez ou pas? Bah oui. Ma réponse? Dis rien, JS1, sinon tricherie. Vas-y. Allemagne. Mais non! Mais attends, mais il est. Non! C'est l'Italie! Je le savais! Vous êtes con ou quoi? Je le savais, je lui ai dit, mais c'est Portugal. Question numéro 8. Ok, qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. 3 à 5. 9ème question. Qui sont les 3 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? Vainqueurs. Les États-Unis. Le RSS et l'Angleterre. Ouais. Oh, bâtard. C'était pas la France. Toi, t'es trop mon gars, toi. 10ème question. Quel est mon prénom? Hugo. Ouais. C'était une petite question. Qui a écrit la musique Envole-moi? Non, mais wesh. Envole-moi. Voilà. Envole-moi. Aime beaucoup. Mais ils l'ont pas dit. Si, il l'a dit. Il l'a dit. Il l'a dit Jean-Jacques Goldman. C'est une blague. Mais toi, mais après, c'est une mais va, réponds à sa place, je sais pas. Hein. Je vous jure, je l'ai pas dit. Il l'a pas dit, il l'a dit. Non, avant, t'as dit Goldman. Il a juste chanté. La vie, j'ai entendu Goldman. Mais c'est quoi, t'as dit Goldman à aucun moment? Si, j'ai dit Goldman. Non, regarde, même, il me dit pas non. Vas-y, point neutre. Point neutre. Au pire, fais ta chiffre. 1, 2, 3. Allez. Ça fait 5 à 7, je crois. 12. Dans quel sport la France est-elle 6 fois championne du monde? Ouais, j'attends, elle a plus pas non plus. Bah, t'as pensé? Mais non, mais c'est. Mais pourquoi? Mais. T'as pensé, lui, ferme ta gueule. Non. Faut attendre que la question se finisse, ouais. Mec, handball. Il a dit, c'est mon arbitre. Okay. On va dire, il y a 6-6 égalité, il y a pas de quoi. Mais ouais. On avait 7. Il y avait. On a payé l'arbitre. Ouais, ils ont payé l'arbitre. 13ème question. Quel club de golf utilise-t-on sur le green? Je peux utiliser mon bonus s'il vous plaît? Bien sûr. Un driver, soit c'est un putter, soit c'est un chipper. Un chipper, c'est un. C'est quel club? Je peux? Vas-y. Le deuxième, un putter. Un putter? Un putter. C'est ça. 14ème question. Avec la laine, de quel animal fait-on des vêtements en cachemire? Ouais, je sais pas. Tu vois? Elle a pas. Elle a pas. C'est le lapin. Ah, vas-y. Je sais même pas ce que c'est du cachemire. Crocodile? Bonus, s'il vous plaît. Bonus, ok. Soit c'est avec de la chèvre, du mouton ou du bison. Bison. Non. Je sais, chèvre ou mouton? Mouton. Pas du tout, c'est de la chèvre. Ah, c'est le bourreau de poids alors qu'il. Bah, c'est un truc neutre. Merde. Quand personne n'a trouvé. Non. Parce qu'ils l'ont pas trouvé. Non, on écoute l'arbitre. Que tient la Statue de la Liberté dans sa main droite? C'est nous. C'est eux. Dans sa main droite. Ouais. Comment il les a payés? Un livre. Non. Un flambeau? Ouais. Mais voilà, c'est parce qu'il a dit dans sa main droite, genre ça m'a induit en erreur. Je réponds pas. 16. Au hockey sur glace, où doit aller un joueur ayant reçu une pénalité? Je peux avoir les propositions s'il vous plaît? Ok. Pour rentrer chez lui, genre sortir du gymnase, partir. Ouais. Soit il doit aller en prison, soit sur le banc. Sur le banc? Non. Il rentre chez lui? Non. Non. C'est en prison. Prison, si jamais au hockey sur glace, ils reçoivent une pénalité, ils vont en prison. J'étais choqué de ouf. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! 9 à 7, 17ème question. Combien d'étoiles comporte le drapeau américain? 52. Non. 54. Non. 50. Oui. 9 à 8. C'est 52 étoiles. Ok. 50 étoiles. 18ème question. Hein. Combien y a-t-il de signes astrologiques? 12. Ouais. 19ème question. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu de la guerre? Athéna. Non. De la guerre? Ouais, la guerre. Mais non, ils réfléchissent trop longtemps. 3, 2, 1. Merde, je suis. Ouais, ok. Soit c'est bah, Athéna, comme t'as dit. Soit c'est Hadès ou Arès. Arès. Ouais, c'est Arès. Putain, mais d'ailleurs. 20ème question. Donc, soit. Non. Soit il y a 11 à 9, soit il y a 10 à 10. Ok. Quelle est la couleur du cheval blanc dans la 4? Blanc. Non. Mais non, si, bah, on a je l'ai entendu. C'est-à-dire là, il reste 3 questions bonus. Donc soit
Genre, on fait deux points d'écart. Sinon, tu fais une seule question pour départager, c'est tout. Une seule question pour départager, ouais. Non, on fait les trois. Pourquoi? T'as chaud? Non, mais on en fait une, on en fait une autre, et si c'est l'autre équipe, la troisième départager. Ouais, ouais, ok. Vas-y. Ok, 21ème question. Dans quel logo de marque peut-on voir deux personnes dos à dos? Kappa. Ouais, Kappa. Oui. Team Kappa, mon gars, dos à dos. Excellent. Ça fait 11-10. Soit vous réussissez celle-là et c'est la dernière qui départage, soit bah, il gagne. Quel super-héros devient vert et musclé? Ils sont endormis. Ok, ça fait 12 à 10, ça va du coup, bah c'est les Waves hein, qui gagnent. C'est les Waves qui gagnent. Tu dors? En fait, je n'ai jamais fait ça avec toi. Yes. Tu dors? C'est nous les gogoles. C'est qui les gogoles? Faut arrêter de crier. Bref, moi je trouve que ça s'est joué de très. Non, en vrai, c'était trop serré. C'était serré, j'ai dit. Ils ont été forts, mais on a été plus forts. Excellent. Ah, je suis content. Bah, du coup, je suis fier de mon coéquipier. La sentence, vous allez pouvoir choisir une photo de votre choix. N'importe quoi, ça peut être un dossier 2, ça peut être n'importe quoi. Donc toi, tu pendant fais le compte de Denzo et non, moi je fais pas le compte Denzo. Ah si, hein, vous faites vous deux les deux comptes. Ah, je sais. Oh, j'ai la photo parfaite. Yes. Ouais, ok. Et pendant 2 heures, je suis tellement heureux. Oh, je suis tellement heureux. J'espère que ça vous plaît en tout cas, les gars. Eh, un arbitre super, même si tu les as beaucoup. Merci Hugo. Donc, l'équipe pour le gage. Vous voyez cette vidéo, on est vendredi. Allez sur leur Insta. La publication se fera samedi à 19h pétante. Allez, vous n'êtes pas obligé. Comme ça, on a bien le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous êtes obligé, l'équipe. Non. Samedi, surtout, allez-y. Hein. Non. Voilà. Samedi, 19h pétante. Pour ceux qui ont vu la vidéo en retard, c'est trop tard parce que la publication ne dure que 2h. Ça va. Moi, j'ai un truc. Ça. Voilà l'équipe. Que l'équipe, c'était pas le premier duel qu'on va faire, donc on va en faire plusieurs sur notre chaîne ouais. avec d'autres duos. Voilà. Donc voilà l'équipe, on va faire ça avec plusieurs autres youtubeurs. Voilà. Cette fois, moi et Maëva, on sera ensemble. Contre d'autres youtubeurs. Donc dites-nous les youtubeurs que vous voulez voir dans les commentaires ou allez leur dire directement. Tout est carré dans l'axe. Donc voilà, allez les suivre sur Insta encore une fois. Voilà, allez les suivre. Surtout le gagnant. Eh, spécial dédicace, il a répondu à toutes les questions. Sans lui, j'aurais eu 2 points. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Merci c'est à vrai. Lui. Merci. Nous, on s'est quand même aidés tous les deux. Hein. Ouais, mais vous êtes tous les deux. Peut-être un peu plus que nous, en fait. Bref. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Gros bisous, l'équipe. Mouah. Mouah.